Yo, c'est toi qui est épisode, c'est surtout pour une nouvelle vidéo, surtout pour le premier épisode de RP. Là, bah, vraiment, je vois pas faut que la mettre comme dans mes autres vidéos. Donc, voilà. Voilà. Et là, je suis parti au Pôle emploi. Je me suis fait un métier, je vous dis ce que j'ai fait. Alors, F3, portefeuille. Bon, l'économie sur ce devoir est assez bien, j'aime bien. 5 000 $ et j'avais 5 000, mais j'ai fait location de scooter. Bref. Porte-carte, je découvre même pas vous. Alors, regardez sa carte. Comment? Ah, Tom Vespucci, voilà, je m'appelle Tom Vespucci. Dans le RP, j'ai 21 ans. Je mesure 148 cm, qui est franchement pas mal. C'est assez grand. Et pour le métier, ben, j'ai fait bus vendeur qu'on va tester dans pas longtemps. J'aimerais bien tester ce truc-là, bus vendeur, mais je sais pas comment ça marche. Alors, ça, c'est la fourrière. Ça c'est quoi? Oh bah ben c'est ici. Bon, on se retrouve là-bas. Bon les gars, on est presque arrivé. Comme vous pouvez voir, la qualité est juste incroyable. Et ça, c'est grâce à un mode que j'ai installé. Si vous voulez vous montrer comment l'installer, bah, je me le demande en commentaire, je le fais. Je fais pas d'objectif de like. Alors, comment ça marche ça? Les gars, si je parle doucement, c'est juste parce qu'il n'y avait pas un côté et tout, et c'est un peu tard le soir, c'est pour ça que... Alors, bon les gars, là on va vraiment jouer RP, je vais garer mon petit scooter ici. Je peux pas le fermer, parce que c'est pas le mien, c'est une location. Donc comment ça se ferme? Oh, on n'a pas les clés de ce véhicule, bah c'est dommage. Bah quand je reviens, j'espère les retrouver. Ça c'est quoi? Je pense qu'on va commencer par ça. Pour ouvrir. Vestiaire, oui. Aïe, 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 bon gosse. Vous avez pris votre service en tant que chauffeur de bus, faites F6 pour qu'on... D'abord, je prends un véhicule, circuit sur l'île, circuit en ville. Bah, moi, je vais faire. Ok. Une caution de 800 $. Ah ouais, 800 $. Je dois pas faire d'accident, surtout j'ai pas de thune. Alors. Mon petit F6. Oh. Non, il y a un problème. Vous avez été attribué à la ligne 1040. Donc, on appuie sur F6, ça nous lance une mission. C'est cool ça. J'aimerais voir les tarifs de chaque métier pour voir que où je pourrais gagner le mieux. Alors, dans les règles, c'est écrit 5 secondes, s'arrêter 5 secondes. Laissez le passager descendre, monter. Il y en a qui descendent. Et... Rejoignez la prochaine arrêt de bus. Ok. Accident pour la caution. Entre chaque arrêt de bus, j'ai 5 minutes pour y aller. En fait, pas le temps de me faire des. Alors, les gars, il y en a qui vont me dire c'est quoi le truc vert. Bah, ça, c'est le quartier des familles. Je vous présente ça vite fait. Ici, quartier familles, je pense. Zone dangereuse, familles. Ballas, très dangereuse. Vagos. Ah, il y a une armurerie, je pensais qu'il n'y en avait pas. Ammunition. On partira voir ça après le job et c'est tout. Ouais, ouais. Oh, mais monsieur, franchement, là, faut pas que j'insulte quelqu'un parce que c'est parce que j'ai peur que ce soit un familier. Il me serait là quand il me défonce. Bon, les gars, là, je me suis fait environ 400 $. C'est déjà bien parce que l'économie n'est pas énorme. J'ai fait que, je pense, 6 trajets. Bah, c'est déjà bien, il y en a 15, donc je pense qu'on fait environ 1000 ou quelque chose. Là, on va aller découvrir quelque chose d'autre. Je pense qu'on va aller au concessionnaire parce que j'ai vraiment envie d'acheter un petit truc, une petite voiture. On va rester là. À part si j'achète une véhicule au concessionnaire, pour en faire. Ok, merci. Pas ça. Oui, mais il n'y a personne quand tu reposes, faut que tu attends le code. C'est fermé. Oh, j'ai envie de voir d'abord juste le catalogue, vraiment. Parce qu'il n'y a pas de canteuse. J'espère que c'est ouvert. C'est fermé. Non, je peux pas voir le catalogue. Je peux pas voir le catalogue.
contre, j'ai dit des gros dodo et méga buffer. Oh! Ouvert. Oh yes! Oh, ça c'est trop bien. Catalogue. Alors, compact. Bon, pour commencer, c'est bien. Le prix. On veut pas connaître le prix. On veut faire un petit choix dans le pied loué, quelque chose comme ça. Pour voir les vues. J'ai envie de voir les véhicules importés. Donc on va voir une entreprise. La vérité, moi je voudrais un petit véhicule comme ça. Pour commencer, ça serait pas mal. Une blista, c'est mieux. Un petit véhicule, par exemple lui, la Rhapsody, la Rhapsody, je pense que c'est ça. On va pas voir le prix. Bon, je vais m'en rappeler pour une prochaine fois si elle pense c'est ça. Ben, je viendrai voir la Rhapsody. Ça, la Rhapsody, c'est quoi ça? Je pense que c'est pas pour nous, c'est pour la princesse. Si c'est bon, bon ça. Alors go pour mon petit camion. Voilà. Là on va où? Ça c'est une banque. Ouais. Il n'y a que deux banques en ville. D'accord. L'arperie, ouais, ça ça m'intéresse. Avant de passer à l'armurerie, j'aimerais bien voir le commissariat. Parce que c'est sûr que je vais y passer. Ça c'est quoi? Ici, c'est quoi? Oh. Location de véhicule. Vas-y, je vais pas rester avec ça. Je vais faire location de véhicule pour le truc que j'ai acheté. Mais pour le petit salaire que j'ai pris, 400 dollars. 300, je m'en fais plus. Comment on passe? Passe pas. Après, si vraiment je veux un truc de fou, ce serait une sultane. Comme elle, la dernière. C'est trop bien, sultane. Très bizarre, c'est quoi? Ça, c'est une moto. Raspberry. Ouais, c'est 300 dollars, plus, hein. J'ai pas le choix. Alors, Comico. Tu rentres dans une zone safe. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une zone safe, c'est-à-dire que tu te bagarres pas. Et c'est mieux. Comme ça, ça évite le bordel. Si c'est ouvert, ça veut dire qu'il y a un policier en ville. Je crois. Ok, ça je pense que c'est fermé. Voilà. Il n'y a pas le capitaine, il faut fermer. Bonjour. Je sais pas pourquoi je dis bonjour. Pas vraiment mon nom. Ok. Pour l'instant, on n'a rencontré personne. Monsieur.
Bonjour monsieur. Bonjour Mathieu, oui. Bonjour, ça va? Bien, bien, et vous? Très bien, très bien. Aujourd'hui, je suis sorti, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans la ville. Vous avez rencontré des gens? Je viens d'arriver donc actuellement, à part vous, dans Vous votre êtes patron. policier? Actuellement, non, là. Pourquoi donc? D'accord, bah, c'était juste une petite question parce que je recherche un petit policier pour avoir des petites informations sur la ville. Pas des Bah, sinon. informations comme vous pensez, mais connaître un peu plus la ville. D'accord, si vous voulez, je peux vous répondre. Mais D'accord. tu n'es pas en tenue, mais tu peux vous répondre quand même. Je voudrais savoir, c'est quoi les risques dans cette ville? Je dois faire attention à quoi? Ben, comme d'habitude, attention aux membres des gangs. Ben, attention à la police si vous faites des illégales, mais Non, moi je touche pas à ça. sinon. Ben, sinon, il n'y a rien vraiment de dangereux. Mais à part les gangs, y a pas quelqu'un par exemple, il te braque ou quelque chose, j'espère. Ah bah si, il y en a, et on essaie de les arrêter, mais il y en a toujours. Ah bah c'est dommage. Bah moi si je vois quelqu'un se faire agresser, je contacte la police direct. Ah bah toi, c'est vraiment bien. Bon monsieur, je vous souhaite une agréable journée Merci et d'ici beaucoup un et jour, une dites-moi comment agréable c'est journée à cool. vous aussi. Au revoir monsieur. Au revoir, monsieur. Ah, c'est ici le quartier des Blues. Il y en a qui vont me dire comment tu le reconnais. Bah, avec ça. Je veux qu'il y ait un petit garage comme ça. Un jour, j'ai déjà vu un mec se faire braquer ici. Mais pas dans le sérieux. Un chauffeur privé, ça rapporte. Alors. Oh, c'est lui que je veux acheter. Bonjour, monsieur. Alors, comment ça marche? Ah, ouais, c'est rien du tout ce qu'il y a. Ici, c'est rien, sandwich et tout. Là, il n'y a pas de rayon. Ah, ici, rayon, repas rapide, pizza, pâtes, carbonara, ok. Et là, y a pas. Là, hop, y'a un truc ici. Divers, alors, cigarettes, briquet, bonbons, de la cire. Briquet, j'aimerais bien l'acheter, mais j'ai pas envie de payer 20$. Pour rien, vraiment envie. Il le veut. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça bug. On va essayer. Visiter. Oh, voilà. Mais il est pas meublé, ta maison. Non, imaginez, c'est nous qui la meuble. Non, le vrai tel mérite 150 000. Mais imaginez, c'est nous qui la meuble. C'est nous qui mettent les meubles et tout. C'est quoi ça? Attendez, y'a pas une touche? Bon, comme ça, c'est stylé. Wow. Les gars, j'ai une idée de malade. Les gars, dites-moi en commentaire si cette idée est validée ou pas pour me faire d'adieu. Je fais un dossier comme quoi je veux créer une entreprise de photoshooting pour par exemple chauffeur privé,
Tu vois ce que je veux dire, par exemple, pour le métier burgerie et tout. Et comme animation, par exemple, je l'emmène, mais après, tu sais, je vais mettre première personne. Première personne, je vais faire d'abord, je l'ai pris en photo. Alors, par exemple, je vais mettre première personne. Je vais faire comme ça, comme quoi je l'ai pris en photo et tout. Après, je vais faire F5. Mais je sais pas comment on annule l'action. Ah, ok. Bref, j'ai pas oublié. Je vais dire bouge pas et tout. Je fais F10. F12. Screen. Bah, c'est bon. Après, je pars sur Photoshop, je fais mon truc HRP. Et je lui dis, ça sera prêt. Est-ce que c'est validé ou pas? Moi, je trouve validé de ouf. C'est validé, 100% pour moi. Et après, il faut que je réfléchisse. C'est pas juste tu viens et tu fais. C'est pas le marché à ton père. Ici. Les gars, franchement, répondez-moi sincèrement. L'idée, elle est bien. Je surkiffe l'idée. Ouais, comment ça? Comment ça ouvre, toi? Non, ma voiture. Comment ça, ça veut pas? Enlever, mince. Attends, L, M. Quoi, je fais quoi là? Non. Attendez, ça veut dire ça. Ça se porte sur ça. Ok, G c'est comme ça. X. C. Ah, ça se porte dans la. B. Banquier juste pour non, le véhicule est fermé, non, c'est tapé là. Bon, trouver un moyen là. Est-ce qu'on appelle pas le chauffeur privé? Ça fait quoi? F1, téléphone, pas volé. Voilà donc. Bonjour monsieur.